Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinoxe Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h, Greenwich Mean Time. L'on n'avait plus entendu le gouvernement à travers son porte-parole depuis un moment et ce n'était pas faute d'actualité, on se comprend. Après ce que le ministère de la Défense a appelé « incident doublement mortel » d'hier à Bouya, qui a coûté la vie à la nommée Caro Louise Ndialé, environ 5 ans, ainsi qu'au gendarme Vogo Rigobert, des images choquantes ont abondamment fait le tour des réseaux sociaux. La vérité est là, depuis hier, implacable, insoutenable même, tout le monde l'a vu et constaté. Une fois de plus, le coupable est tout de suite trouvé. Face à une telle situation, l'on observe malheureusement que certains médias ont délibérément choisi de jeter de l'huile sur le feu en travestissant de manière ostentatoire les faits dans le but sans doute de provoquer un soulèvement populaire, voire un chaos social, soutient le porte-parole du gouvernement. Deux Camerounais sont tombés hier à Bouya et le ministère de la Défense a regretté la survenue de cet incident. Dans une réaction inappropriée, inadaptée à la circonstance et manifestement disproportionnée par rapport au comportement irrévérencieux du conducteur, l'un des gendarmes a, au mépris du sacro-saint principe de précaution, procédé à des tirs de sommation dans le but d'immobiliser le véhicule. Reconnaît le chef de la division de communication au ministère de la Défense. Un autre drame qui vient rallonger la longue liste des événements tragiques liés au contexte sécuritaire de plus en plus tendu dans les régions chrysogènes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est l'édition du vendredi présentée par Nadine Yambou. Je vous retrouve après pour Equinoxe Soir deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Incident doublement mortel de Bouya, la série se poursuit. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir. Il est là, Jean-Claude Youtfis. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Serge Alain Outou. Bonsoir à l'ensemble des copanélistes et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. L'heure est très préoccupante, surtout même l'instant est d'une très très grande tristesse. Le RDPC présente aux deux familles de la petite et de nos gendarmes, les sincères et vives condoléances les plus attristées. Et nous sommes consternés face à cette douleur et nous pensons que l'heure est à l'apaisement et que les leçons soient tirées et qu'enfin nous puissions repartir toujours sur des bases qui ont organisé l'état de notre nation. Ok. Bonsoir, good evening, docteur Makatoum. Thank you very much, Sir Chaling, for this opportunity, you know, and to my fellow panelists. It is actually a sad moment. Since yesterday, I have not been able to gather myself, considering the fact that we lost a baby who was like actually going to school. Considering the fact that we have been forging that school should return. And it was very unfortunate that the killer of that baby was somebody who was supposed to be protecting her. Unfortunately, the angry mob also fell on him and killed him. A regrettable act which we do not condole with. We also condemn it that such should not have happened. And so to my own understanding, I think that two wrongs don't make a right. So I want to say my condolences to both families. Okay, thank you. Bonsoir, de retour de Bamenda. Donna Biskamga, bonsoir, ça va? Ça va. Bonsoir, Serge Alotou, bonsoir à nos téléspectateurs et bonsoir aux copanélistes de ce soir. Ravi d'être là avec vous ce soir. Voilà, justement.
J'ai dit ravi, j'ai dit que de retour de Bamenda, vous avez vu, vous étiez avec le Premier ministre. Vous allez nous parler de cet épisode tout à l'heure. Hein. Bonsoir Amanoutak. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Bonsoir à la maman de cette jeune Carolina qui malheureusement est décédée dans des circonstances que nous connaissons à Boya. Je, en tant que papa de plusieurs filles, je ne m'imagine pas, parce que lorsque j'ai regardé ces images-là, je puis vous dire que c'était la pause au lycée et je n'ai plus fait cours après, parce que je ne pouvais pas, je n'arrivais pas à m'imaginer ce corps d'un enfant, d'une fillette inoffensive que l'on tue comme ça à bout portant. Donc j'adresse mes encouragements à la maman de la petite Kimora, je crois que c'est son nom, et je voudrais présenter toutes mes condoléances à la famille de la petite fille, à son papa, à sa maman, et dire que le MRC est particulièrement touché par ce drame qui ne vient que compléter la longue liste des drames que nous vivons dans notre pays. Vous savez, on a comme l'impression que les Camerounais ont une certaine haine, une intolérance, ont une certaine violence dans les cœurs, parce que ces gens-là, il suffit dans la rue là pour un oui ou un non et vous pouvez perdre votre vie comme ça. On a comme l'impression que les Camerounais ont tellement encaissé des choses que aujourd'hui, toute petite faille peut créer une explosion. Et le communiqué du ministre Sadi que vous avez évoqué est tout à fait révélateur. Ils sont conscients, parce que dans son communiqué, il précise très bien que, en fait, en accusant la presse, parce que je ne vois pas trop ce que la presse a fait, mais on va revenir là-dessus, en accusant la presse, il précise bien que on a voulu créer un chaos social. Ils sont conscients que les Camerounais sont à bout de quelque part. Ils sont conscients que le vase est plein et que à tout moment tout peut dégénérer. Et c'est la raison pour laquelle nous vivons, n'est-ce pas, cette violence extrême. C'est la petite Carolina aujourd'hui. Et je vous assure, je ne le souhaite pas, mais dans une semaine on va se retrouver ici pour parler encore des cas de violence. Et ce qui me gêne, moi, l'enseignant, le professeur de lycée que je suis, c'est que nous sommes en train d'atteindre un point que je n'avais jamais souhaité, la banalisation. Ça ne dit plus rien à personne en réalité. D'ailleurs, on a vu les enfants égorgés à Kumba, on a vu la petite Carolina hier. Bon, au finish, on est en train de banaliser quelque chose qui est extrêmement grave. Et on va certainement revenir, j'ai pas envie de monopoliser la parole, j'aurais souhaité avoir le ministre Sadi en face de moi. Pour lui demander, il était où quand les militants du RDPC ont brûlé le domicile d'un administrateur? Quelle est cette sortie où on vient, au lieu d'essayer d'apaiser, d'essayer de conforter les Camerounais, oui, d'essayer de calmer la situation, on accuse la presse de vouloir créer un chaos social. Exactement, c'est Jalin. Avec les smartphones aujourd'hui, nous avons vécu en direct. Je vous dis que je n'ai pas pu enseigner. Je ne pouvais plus continuer. Parce que lorsque j'ai vu ces images, j'ai pensé à mes enfants. J'ai regardé et puis j'ai directement passé un coup de fil pour savoir si mes filles se portaient très bien. Non, on ne peut pas continuer chaque fois à chercher un bouc émissaire comme ça. C'est trop facile d'accuser la presse. Oui. Encore que je n'ai pas vu une chaîne de télévision, un journal ou une presse, en dehors de crier l'émoi du peuple camerounais, la presse même n'a pas n'a fait qu'un travail d'information jusqu'ici. Et le ministre Sadi devrait plutôt nous dire comment un événement aussi dramatique que celui-là ne figure pas à la une du Cameroun Tribune, par exemple. Ne figure pas à la une du Cameroun Tribune. Le ministre Sadi doit nous dire comment un événement comme celui-là, le premier ministre qui est actuellement en séjour au Septentrion, ne peut même pas réaliser une vidéo de 30 secondes pour parler aux Camerounais. Ça aurait été en France, et j'en suis certain, que Macron serait déjà à Boya. La meilleure façon de calmer le chaos social dont évoque Emmanuel Sadi, c'est de se rendre sur les lieux, de calmer les gens et de leur dire le gouvernement est là, nous tenons encore à l'humain. Donc voilà, justement, ça me permet d'arriver sur l'image du gouverneur Okalia Bilaye hier à Boya.
Très bien. Et c'est la même image que nous avons vue à Banja. Parce que tout à l'heure, nous avons parlé. Nous avons regretté, le MRC regrette amèrement le lynchage du gendarme Vogon qui est finalement est décédé. Nous regrettons ce lynchage-là. Mais attention, il faut poser le problème de manière un peu plus profonde. Pourquoi les gens ne sont pas prêts à arrêter les coupables pour les mener vers les tribunaux? Parce qu'on n'a pas confiance à la justice. La justice républicaine a failli. C'est la raison pour laquelle la justice populaire prend le pas. Est-ce que les gens oublient de voir? C'est un cas très spécifique. Il est dit, le peuple à Banja a remis en cause une décision de justice. A remis en cause de justice. En tout cas, nous allons revenir. Voilà. Désolé si je parle un peu. Tout ça, c'est le sujet. Vous pouvez me comprendre. Voilà. Voilà, Donald Brice Kamgan. Voilà. Bon retour. Hein. Merci, Sadio. Panezem, c'est ça? Le 5 octobre Matazem. Matazem, voilà. Voilà, on vous a vu sur le camion. Voilà, vous êtes sain et sauf. Il est vivant. Voilà, merci. On peut lever les ancêtres, tout ça. Voilà, Donald Brice Kamgan. On n'a pas fini de faire le deuil de deux Camerounais qui sont tombés hier. Que une épée de Damoclès plante sur la presse, une fois de plus. Comment comprendre ça? Bon, j'ai parcouru. On est pris à contre-pied là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai parcouru en quelques minutes ce communiqué du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Il parle de certains médias. Je n'ai pas envie de penser qu'il s'agit des médias classiques. Hein. Je préfère penser qu'il s'agit des médias sociaux. Mais si c'était les médias classiques, radio, télévision et presse écrite, moi je pense que le silence aurait été plus indiqué. Parce que depuis hier, moi j'ai fait la revue de presse ce matin sur notre antenne et je n'ai pas eu l'impression que la presse a voulu jeter de l'huile sur le feu. Mutation que vous avez entre vos mains, appelé des témoins. Il a demandé why trois fois. Pourquoi? Oui, pourquoi? Mutation que vous avez sur les mains rend compte des circonstances de ce drame qui émeut l'ensemble de l'opinion nationale. La nouvelle expression relate les faits. Le messager parle d'un enfant décapité. La décapitation, c'est lorsqu'un membre d'un corps est amputé, c'était le cas pour cet enfant dont on a vu par ailleurs le cerveau. Donc je n'ai pas le sentiment qu'il y a déjà eu une analyse de ces faits. Il n'y a même pas encore eu un commentaire, une analyse, en tout cas pour l'essentiel de ce qu'on a vu sur la presse, dans la presse ce matin. Autre chose, le Mincom dit que la presse tente de provoquer un soulèvement social, soulèvement populaire, voire un chaos social. Alors, ça suppose que peut-être pour le gouvernement, dont il est le porte-parole, ce qui s'est passé à Boyan n'est pas un soulèvement populaire. Ce qui est curieux, il s'est passé hier un soulèvement populaire qui était la manifestation de l'indignation des populations vis-à-vis d'une situation qu'ils estiment insupportable et inexplicable. Donc, cette sortie me semble inopportune et ce genre de sortie justement en période de crise qui contribue à envenimer la situation, y compris dans les espaces médiatiques. Voilà, Macantoni, on a deux sorties. Hein. Vous avez lu celle du ministère de la Défense hier et vous avez également parcouru celle du porte-parole du gouvernement aujourd'hui. The first thing I want to situation. You know, I am a little bit disturbed with Cameroon, the way we approach issues in this nation, because it seems as if we like to justify every situation that happens instead of actually accepting the situation and trying to appease the hearts of people. I get disturbed when the minister of the communique, or let me use the word the spokesperson, yes, of the Ministry of Defense, to be precise, of the military, wrote and said, this situation that happened in Boya, he was struggling to justify why the military person should open fire on a car which was carrying a lady and a kid. It is not justifiable. It is not justifiable. Reason being that you have principles that the military follow, which should not, in fact, you should not open fire on a car carrying a woman and kids. No, it is justement au mépris du sacro-saint principe de précaution. Okay, but then why the justification?
It is wrong. It is wrong. Just say it is wrong. And we are not in any way happy that the young man was killed. It's not something that any Cameroonian should welcome it with his heart. The people got angry. Sentimentally and emotionally, they were carried up. And they went behind the person who killed a baby. In a place where it has been literally, relatively calm for a while, where you have not been hearing anything, where schools were gradually returning. Then, of a sudden, somebody just stepped out, boom, boom, with, what are you struggling to do? At times, some people will say, some people are actually provoking this situation in order to feed from it. That to me, the Minister of the Ministry of Defense, through the spokesperson, actually did not manage the situation well. Then when you come to listening to what the Minister of Communication is saying, I feel disturbed. Because today we are not in the 60s. We are not in the 1980s. Neither are we in the 1960s. We are in 2021, in the 21st century, where communication is at the speed of light. You do not need any main media to do any diffusion of that particular stuff. Somebody could use his phone and do a direct relay of information, stream it, and the world will see it. And so when the minister wants to put it on journalists and that journalism profession and to the media, it is like he's pointing a finger. He's only allocating the person who is struggling to create problem. Already yesterday in Boya, there was an uproar. People went out, moving around the city, went right to the governor's office. What some of us do not know about the movement of the people going to the governor's office is that when the crowd came before the governor's office with that baby in their hands, it took over 30 to 1 hour for the governor to come out. And when he came out, he could not talk to the people because of the chants of the people. The crowd was chanting, "We don't want gendarme, 500 gendarme, 500." What was it? What were they saying? Remove the gendarme. We don't want them here, because the gendarme were the ones who create the barricade for them not to go for that. Considering the fact that it was a gendarme that killed that kid, the crowd does not want to see gendarme. That you do not hear it in the videos you listen. The governor only had the opportunity to speak when that baby had been carried away from there and gone down. So he came out and spoke to the press. He was not speaking to the crowd. But I appreciate the fact that what he said actually was appeasing. What he said, he spoke like a father. He spoke like somebody who was hurt. And I think that that is what the Minister of Communication should be talking about. The management of the situation. It should be done with some wisdom. And you see, this issue is the same manner in which most of the problems we have in Cameroon have been managed. Wrongly managed. They look for somebody to directly accuse and pin the issue on, instead of handling it in a way where the hearts of the people will be at peace and things can keep on moving. Look at it. We started, there's a situation that started in Cameroon. This crisis we are talking today in the Northwest and Southwest started like a simple revendication, like the one of yesterday, where a people, lawyer said, "We are not going to the courts." What was the, what did the Minister of Justice tell them? He told them that when hunger would deal with them, they'll go back to the courts. What about teachers? It provoked, the minister said, "You put 2 cubes of sugar in a dish of," what was that? You were creating more problem. And as a result of that, look at it, the court people and locked them up instead of appeasing their hearts. Today, where are we? We are in an armed conflict, mismanagement based on wrong wordings. People do not know that words have power. What destroys or makes a community is the way it is managed with words. You see, there was a time when we had a serious issue. I think that was 2008. And the president came up. And few words, Cameroonians went boom, down. Everything came down. There was a serious uproar. What happened? He came and spoke few words. People came down.
which implies that the way you speak determines the way people go. So I'm shocked that ministers come out, they write anything. Spokesperson of the military come out, they write anything. And worst of it, we have a social media today where some people are using it as a means. People don't care about human life anymore. People don't care. I'm speaking like this and regretting the fact that they killed that military man, is that gendarme yesterday. I regret it. I wish he was alive so that he could face the law. But unfortunately, the angry crowd fell on him, and we are talking now. He's not there to defend himself. He's not there to tell us what happened, that he opened that trigger. So it is very, very unfortunate, and we pray that I don't know if he has a wife. The wife should be able to calm down, because it's not easy to take it. If he has he has a family back there, I think in Yaoundé, I'm praying that they should also have a heart that they have lost a child. And like Cameroonians are mourning right now over Caroline, I pray that the parents of Caroline should be able to take this thing with heart. They lost a child, but we pray that through the loss of this baby, Cameroun can return to normal. Okay. Mais Serge, alors je voudrais préciser, oui, docteur, c'est juste un rappel historique, oui, que le discours du président Biya en 2008 n'était pas un discours d'apaisement, c'était un discours de menace. Et je me souviens que oui, c'est à cette époque-là qu'il a qualifié certains opposants qu'on accusait injustement. Il les a qualifiés d'apprentis sorciers. Voilà, bon, c'est juste pour préciser l'histoire. Voilà, Jean-Claude Deyout, je vous pose la même question. La sortie du porte-parole du gouvernement, opportune pour vous? La sortie. On déplace le débat, on accuse la presse, alors que tout le monde a vu ce qui s'est passé hier à Bouya. Là, c'est que vous êtes en train de vous appesantir sur ce que je peux appeler et considérer comme la troisième partie de la sortie du ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Oui. Mais pourquoi nous ne prenons pas aussi du temps d'abord d'analyser cette sortie, pour moi, que je qualifie en trois phases. La première phase, c'était la confirmation de la note du communiqué du MINDEF. Et donc, tout ce qui nous a été dit est confirmé. Et la deuxième partie, c'est en nous disant que la lumière sera faite sur ce drame. Parce que c'est un drame. Nous avons perdu deux Camerounais. Nous sommes peut-être, certains sont en train juste de voir que la petite fille est issu aussi d'une famille, mais nous avons aussi oublié que le gendarme aussi est issu d'une famille. Justement. Nous avons oublié que nous devrions encourager des familles. Et parmi nous, nous avons des frères et des sœurs qui s'engagent dans l'armée. Et donc nous devons les encourager à continuer à s'engager dans l'armée pour pouvoir défendre les couleurs de notre nation. Donc, ce qui voudrait dire que ici, pour revenir au niveau de la sortie du porte-parole du gouvernement, j'ai dit que la première partie était la confirmation du communiqué du MINDEF. La deuxième partie était l'enquête qui est ouverte et donc qui nous permettra d'avoir la lumière sur les faits. Malheureusement, un acteur aussi principal des faits a été assassiné. Et c'est pour cela que nous nous posons souvent, certains gens se posent souvent la question de savoir qu'est-ce qui peut encourager et souhaiter que, même lorsqu'on sent la culpabilité de quelqu'un, qu'on aille jusqu'au bout du procès et que les uns et les autres aient le temps d'avoir le contradictoire, de comprendre même parfois la psychologie ou bien les faits motivants et motivateurs, les mobiles des actes qui ont été commis. Aujourd'hui, nous n'aurons pas cette possibilité parce que la population, à travers la verdict populaire, en a décidé ainsi. La troisième partie, c'est celle dont vous êtes en train d'évoquer, où moi je ne la qualifie pas comme une manière de pouvoir invectiver la presse, mais beaucoup plus une sortie demandant à une certaine forme de prudence, à une certaine forme de retenue. Je vais vous prendre un exemple.
Les réseaux sociaux diffusent, par exemple, les images du cerveau et du corps mutilé de la petite fille. Mais il n'est pas de droit pour les médias classiques de pouvoir aussi montrer les mêmes images qui sont dites choquantes. Parce qu'en réalité, il y a une déontologie à la dignité dont les médias classiques doivent respecter. Il est de bon ton que le ministre de la Communication puisse rappeler aux médias que nous devrions respecter la dignité humaine. N'oubliez pas que vous-même, vous protégez souvent les visages, même lorsqu'on arrête même des bandits, des présumés bandits et tout. À plus forte raison, lorsque vous avez un gendarme qui est couché au sol et dont on continue à taper des parpaings dessus, ou bien lorsqu'on a une petite fille dont on constate l'impact de la balle sur le crâne, et on montre cela à nos petits-enfants qui sont face à la télévision. Il y a quand même de quoi dire aux uns aux autres que les médias classiques dits ordinaires ne sont pas les réseaux sociaux. Et que nous devrions avoir de la retenue parce que là, sur ce plan-là, il y a la notion de dignité humaine qui doit toujours prévaloir. Moi, j'ai l'impression que c'était cela. Et en plus, maintenant, lorsqu'on ne connaît pas encore l'issue de l'enquête, parce que, à vrai dire, qui connaît réellement l'issue de cette enquête? Pour pouvoir tirer des conclusions et peut-être tout simplement dire c'est le gendarme ou bien les forces de maintien de l'ordre qui ont fauté. Mais moi, je retiens par exemple 5 éléments qui peuvent nous aider dans ce type de communication de crise. Nous avons d'abord les faits. Effectivement, la presse est en train, tel que vous l'avez évoqué, de s'étonner du fait qu'elle a relayé des faits, uniquement des faits. On est d'accord. Mais maintenant, les faits, c'est sous quel angle, sous quelle vision? Je vous prends un exemple. Si quelqu'un est en train de vous montrer comment... J'ai vu une image, par exemple, une dame qui était en train de frapper un parpaing sur ce gendarme. Et si on a le temps, on peut même parler des états de service de ce gendarme qui a rendu des fiers services à cette nation. Et le voilà au sacrifice suprême de sa vie. Et je pense même que ce gendarme qui avait encore une arme bien chargée, qui pouvait très bien aussi mourir avec 10, 20, 40 personnes, pouvait faire usage de cette arme pour se protéger. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a été pris de remords. Il n'a même plus fait usage de cette arme-là. Je dis qu'il a été pris au mot parce qu'en réalité, je vous dis que un élément des forces de l'ordre, de maintien de l'ordre, il aurait continué à tirer pour... Parce que là, cette foule-là... qu'il avait le choix. Parce que cette foule-là était là pour le lyncher. Donc, en attendant, il pouvait vider ce chargeur. Donc, mais nous disons tout simplement que ce n'est pas ça que nous voulons en arriver là. C'est ça les faits. Maintenant, les causes. C'est un deuxième élément. Il faut savoir les causes. Est-ce que les causes, c'est seulement... Lorsque, effectivement, la sortie, quelle soit la sortie du communiqué du MINDEF ou du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, ça parle de l'usage disproportionné dans un nombre de choses. Donc, ce que vous voudrez dire que s'il y avait le sang-froid, s'il y avait la maîtrise, on aurait peut-être pu faire le choix d'un certain nombre de préalables et de mesures. Mais maintenant, ce n'était pas là où ça a commencé. Ça a commencé aussi par le fait qu'on appelle, il y a un refus d'obtempérer face à un contrôle de police ou de gendarmerie. Et ça ne date pas de quelques semaines qu'on a eu la sortie du ministre de l'administration territoriale qui était en train de nous rappeler que nous avons fait le choix de vivre dans le cadre d'une république, d'un État. Et nous avons donné un certain nombre de nos droits et libertés qu'on a confiés à l'État. Au nom de la vie harmonieuse sur le plan communautaire et de la nation. Nous devions faire confiance à cette institution, à ces institutions. Nous devions faire confiance à ces forces de défense et de sécurité. Donc, conclusion, la moindre des choses, c'est lorsque vous êtes interpellé, vous devriez tout au moins obtempérer à reconnaître que on m'a interpellé par rapport à un contrôle de police ou de gendarmerie. Je dois savoir de quoi il est question. À partir de là, peut-être que nous aurons eu autre chose aujourd'hui. Donc, mais nous disons que
L'enquête nous dira. Et je ne vais pas entrer, aller dans les faits avec le véhicule qui a les vitres teintées, dont on ne sait pas de quoi il est question là-dedans. À l'instant où nous sommes dans une zone de crise, on est dans une zone de crise où tout est à suspicion dans ce pays-ci. On a par exemple. Le communiqué aurait pu nous renseigner sur ce que vous dites. Oui, le communiqué a bel et bien parlé que la voiture avait des vitres fumées. On parle d'une réaction disproportionnée. Lorsque la voiture a des vitres fumées, on ne voit pas. Et je vous rappelle que ça date déjà de plus de 15 ans dans ce pays qu'on a interdit l'usage des vitres fumées totalement. Toutes les voitures qui ont les vitres fumées sont en danger, alors ? C'est-à-dire que sont hors la loi, sont sur le plan illégal. Parce qu'il a été dit qu'on doit être capable tout au moins... À distance de voir tout au moins le conducteur et le passager qui est auprès de Merci, Donald Brice Cameron. Il y a un autre. Il y a un autre fait. Oui, vous voulez ajouter Non. Ok, Donald Brice Cameron, il y a un autre élément qui rentre dans ces événements de Beya, la justice populaire. Oui. Un homme en tenue. Oui. Comment comprendre ce qui s'est passé hier avec le gendarme Mvogo? Et comme il dit, le gendarme Vogo avait encore son âme bien chargée. Il y a deux ans, le premier président de la Cour suprême du Cameroun, lors d'une entrée solennelle de la Cour suprême, qui est un événement traditionnel, s'indignait de la recrudescence au Cameroun de la justice privée, ce que vous appelez justice populaire. Le fait pour les populations, lorsqu'elles sont en situation d'injustice, de se rendre elles-mêmes justice. Lorsque le constat est fait par l'une des principales personnalités du pouvoir judiciaire, cela est révélateur. Et dans les réponses qu'il donnait, c'était justement que la confiance est détériorée, nous disons qu'elle n'existe presque plus, entre les populations et les instances judiciaires. Je pense que lorsqu'un constat aussi flagrant est fait, aussi froid est fait par une autorité comme celle-là, il n'y a plus de commentaires plus édifiants. Les populations sur l'ensemble du territoire n'ont pas l'impression que les procureurs, les officiers de police judiciaire sont là pour enquêter et rendre justice. C'est pour ça que, à la moindre incartade, lorsque vous avez un conflit avec votre voisin, si c'est le bailleur, si vous êtes plus fort que lui, on dira comme au quartier qu'il est fini. Donc, dans ces conditions, évidemment, on assistera toujours à des drames sociaux comme celui qu'on a vu, en double drame, comme ce qu'on a vécu à Boya dans le sud-ouest. Les populations auraient été dans un pays où la justice est indépendante, où elle peut enquêter et dire le droit que peut-être notre compatriote perd son âme. Le gendarme ne serait pas décédé. C'est l'une des problématiques. En fait, nous sommes dans une crise dans la crise. C'est-à-dire que crise de confiance entre la population et la justice, crise sociopolitique dans la région et d'autres éléments qui entrent en jeu. J'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir puisque j'ai séjourné dans ces régions, justement. Si vous voulez, on en bref directement. Moi, j'ai été surpris que dans les régions... en crise comme celle-là, qu'un certain nombre de dérives, de tas qu'on observe dans les régions entre guillemets stables ou francophones, serait un peu que ces dérives-là se vivent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Vous voyez les raquets qui continuent, les contrôles intempestifs, parfois des provocations venant de certains éléments des forces de sécurité. Bon, malheureusement, ce n'est pas généralisé. Mais je veux dire que lorsqu'on est en zone de crise, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de réajustements à faire sur le plan du comportement et l'attitude, la conduite. Ces réajustements sont d'autant plus importants et je ne pense pas que les hauts responsables sécuritaires qui sont bien informés sur le fonctionnement de l'appareil sécuritaire du Cameroun ne soient pas au courant de ces dérives qui participent à renforcer justement les tensions entre la population et l'administration et certains éléments des forces de défense et de sécurité. En région anglophone, les valeurs comme la courtoisie, le respect, la solidarité sont des valeurs sacrées. À Douala, lorsque vous êtes dans votre véhicule,
Si vous êtes, si vous avez même la priorité en carrefour, quelqu'un va vous heurter et puis il sera le premier à vous injurier. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais les faits comme ça sont assez rares. Si vous retrouvez des gens assis dans une buvette, ils vous disent bonjour, bonsoir, bienvenue, et ils vous saluent. Les gens sont très solidaires. Le rapport des populations aux institutions, à la mairie, ainsi de suite, ne sont pas parfaits, mais on voit quand même une attitude de respect entre les populations et les autorités. Donc, cette différence de culture, justement, fait que les comportements que les populations des régions anglophones banalisent ou tolèrent, le fait, par exemple, de provoquer des gens, de battre sur des gens, de les acquitter, même lorsqu'ils sont en règle, je parle des transports, en région anglophone, des comportements que nous, on considère, nous, francophones, comme étant des comportements tout à fait banaux, qu'on peut laisser passer. Oui. En région anglophone, j'allais dire que c'est un crime. Ah oui. Et donc... il y a une formule là-bas, on dit « I know my rights ». Si vous êtes dans les régions comme celle-là, sensibles, délicates comme celle-là, et que vous n'intégrez pas la culture des personnes de cette région-là, le passé historique, ces éléments qui, j'allais dire, fondent leur structure mentale, eh bien, vous allez mettre en mal la stabilité sociale. Okay. Peut-être sans le savoir. Voilà. Amanoutak, le communiqué du ministère de la Défense se parle d'un comportement irrévérencieux du conducteur qui nous a conduit. On reconnaît également que la réaction inappropriée, inadaptée, voilà, du gendarme, voilà où ça nous amène. Comportement irrévérencieux. Bon, vous savez, deux Camerounais sur le carreau. J'ai pas fait une école de police, j'ai pas fait une école militaire, mais je pense quand même que il y a des moyens un peu plus propres d'immobiliser un véhicule. Oui. Je suis un peu gêné lorsque je vois le militant du RDPC qui est sur ce plateau tenter de justifier en invoquant même les propos du ministre de l'administration territoriale. Je ne pense pas que ce soit normal que dans un pays, un ministre prenne des figures de style comme des serpents affamés qui vont aller chercher des gens. C'est pas cette nation-là que nous voulons bâtir. C'est pas cette nation de menace continue que nous voulons bâtir. Une nation de non-respect des forces. Je n'ai jamais dit ça, monsieur Youf. Je n'ai jamais dit ça. Je suis en train de vous dire ceci. Lorsque vous parlez, payez au moins la politesse de me suivre comme ministre. Parce que je ne comprends pas votre sortie là. Je vous dis que le ministre de la maison territoriale a dit qu'on doit respecter les forces de maintien de l'ordre. Et là, vous voyez que j'ai eu la même politesse de vous suivre. Jean-Claude Youf, je suis en train de dire ceci. Rien. C'est d'ailleurs il y a eu un certain équilibrisme dans le communiqué du ministère de la Défense où à la fois on le dit la communication le dit ouvertement, il y a une réaction disproportionnée. Et en même temps, on essaie de calmer le jeu en invoquant le fait que le refus d'obtempérer de la dame qui était au volant du véhicule. Mais monsieur Youf, la question qu'on se pose, fallait-il tirer à cet endroit? C'est la question qu'on se pose. Comment est-ce que vous voulez nous faire croire que la meilleure façon d'immobiliser un véhicule, c'est de tirer dans le pare et de tuer un enfant? Ça, tout le monde l'a condamné. Personne n'a dit que n'essayez donc pas d'atténuer. N'essayez pas d'atténuer les faits, monsieur Youf. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Nous sommes des pères d'enfants. N'essayez pas d'atténuer les faits. C'est votre crime sur ce plateau. Vous parlez d'atténuer. Je suis en train de dire ceci. Vous voulez justifier. Vous parlez d'atténuer. Vous voulez justifier le fait que le soldat. Vous voulez justifier le fait que le soldat est tiré dans le pare-brise. Il y avait le véhicule avait des roues. Toutes deux roues percées immobilisent directement un véhicule. Maintenant, il y a eu des profils sur les réseaux sociaux où on a dit la dame transportait des armes. Mais si elle transportait. Ça, c'est l'enquête qui nous dit. Je parle des choses. Non, que, non, ne dites pas ce que. Le militant ouvertement. Non, ne dites pas les conclusions. Sur les réseaux sociaux. Non, restez quand même très objectif. Oui, on n'a pas les conclusions de cette enquête. Ne commencez pas à nous faire les commentaires des réseaux sociaux aussi. Je suis très heureux. Monsieur Seria, je ne fais pas de commentaires des réseaux sociaux. Je suis très heureux de savoir que vous parlez des résultats de l'enquête. Je suppose qu'avant la fin de cette émission, M. Youf nous dira où on est avec l'enquête de Sukumba, où on en est avec l'enquête de Gabou,
où on a massacré aussi des enfants. Vous n'avez pas la mère, je n'ai pas, je n'ai pas les résultats d'enquête. C'est pour ça que je parle en profane. Je parle en profane. Peut-être vous allez nous dire qui a tué les enfants à Gabou, qui a tué les enfants à Koumba. Et la presse, je comprends le ministre Sadi. Vous savez, lorsqu'il y a eu... Vous aurez le temps d'expliquer tout ça, monsieur Youf. Ayez la bonne éducation d'écouter. Ayez la bonne éducation d'écouter, monsieur Youf. Ayez la bonne éducation d'écouter. Vous êtes très élégant, ayez la bonne éducation d'écouter. Alors, je suis en train de dire ceci. Je comprends que le ministre Sadi prenne les choses, le taureau par les cornes, parce qu'on a vu ici des images des soldats qui ont tiré sur des enfants, sur des mamans avec des bébés au dos à l'extrême nord. La presse responsable s'est levée et a dit ça se passe à l'extrême nord. C'est ce même gouvernement qui a dit non, c'est pas l'extrême nord. Idem pour Gabou. Je comprends le ministre de Sadi parce que il voudrait que les mêmes choses ne se reproduisent plus et que la presse laisse l'enquête se tenir. Monsieur Youf, nous avons tous besoin des résultats de cette enquête. Mais j'ai bien peur que cela soit biaisé. Et c'est la raison pour laquelle je dis bien que je condamne la justice populaire, parce que ce militaire aurait été vivant, honnêtement, qu'il nous aurait dit ce qui l'a motivé. Était-il dans un état second? Était-ce un ordre qu'il a reçu? Il aurait été vivant qu'il nous aurait dit ce qui l'a motivé à exploser la tête d'un enfant de 3 ans, une jeune fille sur qui la République pouvait compter, y compris lui-même le militaire. Il est décédé. Et là où j'appuie aussi le système, la justice sociale, la justice privée, ouais, comme l'a dit Donald, est la résultante de la défaillance de la justice républicaine. Les gens n'ont plus confiance en la justice, ces gens-là. Il faut dire la vérité. Les gens n'ont plus confiance en la justice. Avant Boya, il y a eu Banja, où les gens sont sortis pour dire il y a un braqueur reconnu dans notre unité administrative. Et il vient d'être libéré. Et vous avez vu le préfet, c'est parce que le préfet. Toute honte bue, en toute humilité, toute honte bue entre guillemets, préciser que c'est un jeune magistrat, il faut qu'on comprenne, qu'on lui accorde des signes de c'est un jeune magistrat qui vient d'être, dont on peut comprendre qu'il a libéré sans savoir. Et a proposé même d'aller ensemble avec les populations, ramener le malfrat en prison. La justice populaire est la résultante de la défaillance de la justice qu'on peut appeler républicaine. C'est ce que nous sommes en train de dire, monsieur Youf. Ce n'est pas sérieux que dans un pays, les gens n'aient pas confiance à la justice. C'est de ça qu'il est question. Lorsque dans un quartier, on arrête un voleur, la première des choses à laquelle les populations pensent, c'est de le lapider. C'est de le lapider. Parce qu'on sait que ce même voleur, lorsqu'on va le remettre au nom du procureur, 2 semaines, il va venir vous narguer au quartier. Il va venir vous narguer et peut-être même vous assassiner. C'est de ça qu'il est question, ces gens-là. Voilà. Il faudrait que la mort de la petite Carolina, vraiment, nous serve de leçon. Parce que cela a créé l'émoi et ça a encore terni l'image de notre cher et beau pays. C'est la raison pour laquelle, à la fois, le meurtre en lui-même, à la fois, le silence des plus hautes autorités, monsieur Youf, ça coûte quoi au président Paul Biya de sortir et de dire « Je viens de passer un coup de fil à la maman de Carolina. » Ça coûte quoi? Mais s'il a été élu, comme vous le dites, en 2018, il a été élu, lorsqu'on est élu, on est le père de tous les Camerounais. Ça coûte quoi au président de dire « Je viens de passer un coup de fil à la maman de Carolina. » Ça coûte quoi de dire « Je vais aider Carolina. » Arrêtez ça. Ça peut apaiser les corps. On a tué aussi le jardin. Ça peut apaiser Carolina. N'allez pas seulement copier le mauvais exemple ailleurs. Le but, c'est quoi? On vous a vu aller filmer les nuits de poule à Paris pour venir justifier l'état désastreux dans lequel se trouve la capitale Yaoundé. N'allez pas copier aussi les vrais exemples. Le but, c'est d'apaiser psychologiquement la famille. Le président Paul Biya peut convoquer et la famille de Vogo, le gendarme, oui, et la famille de Kinora au palais de l'unité. C'est le palais des Camerounais. Vous racontez quoi? Et ça peut apaiser à la fois le peuple et toutes les deux familles. Okay. Ça peut quoi? Le premier ministre, comme je l'ai dit à l'entame ici, excusez ma colère, quand je dis à l'entame ici, il est au nord, au septentrion. Je me souviens à une époque, Macron était en Chine. Et il paraît qu'un élève a poignardé son camarade, je ne sais pas, un truc comme ça, dans un lycée de France. Mais dans une conférence de presse, le président s'est arrêté et a parlé de cet événement malheureux qui se passe dans son pays.
Mais si vous ne mettez pas l'être humain au devant de toutes choses, vous voulez donc gouverner qui? Vous voulez gouverner quoi, des objets? Mais on peut passer depuis que nous parlons de la jeune Kimora. Où est passé la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille? Où est passé le ministre de l'Éducation de base? Vous comprenez, vous voyez des gens qui n'ont aucun sens de l'humanité. Okay. Il faudrait qu'on mette l'humain au devant de toutes choses, parce que si on a élu des gens, comme ils disent qu'ils ont été élus, c'est pour gouverner des hommes. Merci Armand. Vous voulez Oui. Rapidement, parce que... Oui, il est très simple de dire... Tiens, j'ai trop parlé. J'étais juste en train de vouloir parler. Il faut juste faire quelques observations. C'est le temps de parole de... Il est important de dire que... Effectivement, l'être humain doit être mis au centre de tout, mais l'être humain doit être mis au sens de tout, y compris la préservation de la vie. Et, naturellement. Et nous disons que ce n'est pas la verdict populaire qui est la solution. Oui. Parce qu'en réalité, là, nous avons, au lieu d'avoir. Et nous disons aussi autre chose. Si la verdict populaire est la réponse à la défaillance de la justice, c'est que nous aurions directement en ce moment tous les terroristes qui sont lynchés. Parce que lorsque Ayafor, par exemple, a été assassiné, on connaît ces terroristes. Ils sont des voisins de nous tous. Mais arrêtez. Ils habitent auprès de nous. Arrêtez. Ça voulait dire que la population pouvait très bien aussi pratiquer cette verdict populaire. Pourquoi on ne les tue pas? Arrêtez-les. Lorsque nos enfants de Koumba ont été assassinés, oui, au moins la justice a fait son travail en condamnant même à mort. Et on est même en train de débattre en se disant, est-ce que la peine de mort doit être pratiquée au nom du fait que la vie est sacrée? Mais en que temps? Ces gens habitent auprès de tout le monde. Ouais, les gens qui ont... Est-ce que la petite populaire également... J'ai observé quelque chose. J'ai vu que si cette verdict populaire est bel et bien appliquée dans tous les sens, la crise anglophone s'arrête tout de suite. Parce qu'en réalité, ce sont ces mêmes populations qui disent on en a marre. Okay. On en a marre qu'on tue nos frères et nos sœurs. On en a marre que notre vie n'est plus normale. On en a marre que nous sommes privés de nos droits et libertés. Merci Jean-Claude. Permettez. Voilà, docteur McAntony. Le problème, il est là. La justice populaire. Ici, il fallait en arriver là, hier à Bouya. Let's do a little bit of a little observation. When you look at that car, where do you see the bullet entering? It's the left side of the back screen. Where was it heading? The head of the driver. It was to kill. The intent was to kill the person sitting at that left hand. So, if you tell me, because I read what the minister said, was to demobilize the car. Demobilizing the car doesn't mean shooting at the driver windscreen. And unfortunately, somebody else was at that position, which was that child. So, if we have military people who are in a city, I want us to be objective, where there is relative calm, and then a car is passing by. I don't want to get into talk into the nitty-gritties. If you are traveling to Boya, which I do every week, how many stops do you have, checkpoints do you have? A partir de May 17, Miselele, you have one. Where the purpose is not really to check on what is inside the car to get 500 money. When you arrive at Tico, precisely at Likumba, by Tota, there's another one. When you arrive Mutengene, when you arrive at My 14, there is another one. When you arrive My 16, there is another one. From My 16 down at the school, no, at My 16 there are two. At the school, you meet another checkpoint. At the entrance of the small market there, there's another checkpoint. Then you enter Boya, My 17, you are climbing into the town. Moliko. In Moliko. That should be controlled. At checkpoint, there's always one. Okay, to go towards Bukova, which is where that incident happened, this car was not entering into Bukova, it was coming into the town.
Which means this particular car is always plying that road. Why was it coming to the town to drop children to school? To school. Calix school is not far away from where this incident happened. If you proclaim that the windows were completely black, darkened, like I heard him saying, because they are looking at the pare-brise of bad pare-brise, then there is a problem, because there was a communication, according to what the minister, spokesperson says. It means there was, first of all, a communication that resulted to an argument between the military, the gendarme, and the driver. If there was a discussion, it means they saw the content of the car. So if they say he forced them to go before the driver, the so-called gendarme decided then to open fire to demobilize the car, there is a problem already in that discussion. If we had the opportunity to talk, it means there's something that we said, even if we argued. Naturally. Okay. At that particular moment that we're talking, why couldn't you arrest me? Or was he running and arguing and going? How was he arguing? How was the argument done? Ou bien ce n'est pas moi qui a bien non, le communiqué dit, refusant d'obtempérer, le conducteur a poursuivi sur sa lancée en accélérant pour s'échapper en direction du stade Omnisport de Molico où il sera rattrapé par le binôme de gendarmes lancé à sa suite. Ok. In that case, when you follow, I followed a commentary in another TV for people who were there in the field, who said there was something that passed between the military and this lady, and they asked for money, which she said, let me drop the children, then I come back. Okay, voilà, on va revenir. In the midst of that, okay. on va revenir après le journal, madame, monsieur, dans un instant, le 20h de Nadine Yambou. On se retrouve après pour le débrief du journal.